Yo bari ngolngal konton felen kana bi tariko dole falie bi ade tariko mu bakolomba ji la tariko ti ate fana mu mobalti kasamas bankoka donc video nyimbe gala français kan la bare mba kana sur la mba esela kana kato donc ka kana sur mani kan la auto alnga video ni la moy commencer. Bienvenue sur cette expérience. Donc aujourd'hui, je vous amène une histoire emblématique, une légende de la Casamance. Il s'agit de l'histoire de Bakolom Badji. Comme je l'avais promis à certains de mes abonnés, l'histoire de Bakolom Badji, c'est l'histoire d'un homme mystique, courageux, un roi qui a laissé ses traces dans la conscience collective de la Casamance tout entière. Malheureusement, je n'ai pu trouver qu'un seul livre qui a été écrit par Moïse Culture. Le livre a été écrit en collaboration avec les descendants de Bakolom Badji. Les faits ont été rapportés. Disons qu'on peut faire confiance à la source. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais vous faire la lecture de ce livre. Nous allons voir ensemble qui est Bakolom Badji. Yo, voto ning tariko nka na min fali tenting. Nga bondi kitabol to ikafu miyeko histoire de Bakolom Badji. Bakolom Badji la tariko ate momi ya safi ato mu Moïse Culture leti ate mu molti mi alon ka botanan Caribbean Islands anata si jolal kon aning Bakolom Badji mamari ngolle den tay ning kitabo ni safi donc Bakolom Badji ate ketam molti mi alon ko uluta Casamance le andung aketam molti mi alon ko mobalem kan safo no Casamance la tariko kono donc biñona département Mafon la awluta sate min toy ka fo jele ko nyankit auto be min kala bi wala mu ka jibe Bakolom Badji ay kebar jumalle ke nyun dunya kono aning abaluta nyadle awluta nyadle aning fana ay ku jumalle ke mi yatina molia long atotu ta mol da kono fo biti lola auto alngata nga Bakolom Badji la tariko la moy ñola di qu'est-ce qu'il a fait et d'où il vient et tout à propos de lui donc voici la légende de Bakolom Badji, prince des Djola. La légende de Bakolom Badji. La naissance d'un enfant de sang royal est toujours un événement grandiose. Il était de même en 1792 dans le village de Nyankit. Le roi Apa Badji et son épouse, la reine Awo Djedjou, avaient attendu ce moment avec l'espoir de tout parent qui souhaite ardemment avoir un héritier afin de perpétuer leur nom aux générations futures. Tous les Kombe alo nyaming mansaring wula wulode okake kulati mi alon ko ku balem banko banko kan. Donc massa kemi yalon ko ka fay ko Apa Badji aning awa e tolle mu moti mi yalon ko e meta dinni nolale donc e meta dinni nolale wala na sango sang ike yilla din soto la andung ila banko mu mebe kan molu banko mol fana ke yilla ila din soto la katuko massa o massa ka la fini la ko ni e tata foy ke bayata edingo ni fata edingo ne keta daji ko mbe balani ya banko samba nyami afana ina umuta ya tentendi donc abole nyama Apa Badji ni Bakolom Badji sa ngola ka fumi ko 1792 Bakolom Badji wo sangola lem insafono awuluta. Les habitants du village œuvraient à leur besogne quotidienne avec l'impatience d'un peuple qui a remis son destin entre les mains d'un roi sage qui saurait transmettre ce don à l'enfant qui lui succéderait. À cette époque, l'islam ne s'était pas encore répandu en Casamance. La religion pratiquée était l'animisme. Les croyances mystiques occupaient l'esprit des Djola. Yo, tout le monde là,
l'islam mo man janjanum baake Casamance kono woto Casamance mo jolal jama sako jolalu jamal benum ni mofin dino itol benum wala silokan andum ni mofin londo fana e latanu wala baake wa jamano la. En ce jour mémorable où la reine était dans les douleurs de l'enfantement, il régna dans le village une atmosphère inhabituelle. Un vent frais soufflait comme celui qui annonce les premières pluies alors qu'on était en pleine saison sèche. Yo bakolom bakolom baji ate wuluta lum minade iko e korosiro ke fana ate sate nyinto hanay fo tilikando mi nyaanya bare wolungola sango nya findale a finda akamunta ko wolungomu be murtay be samale kono fonyo ba nata wuli sate nyin kono dulal be dibita sate bankong me be nyada falinta wolungola. Awo Djedjou mit au monde une petite fille qu'elle enveloppa soigneusement dans un tissu qui avait été confectionné pour l'occasion. Awo Djedjou nata dingo soto wolungola ay de nano nyi mingulu itolia be ya korosi nyola ko sunguti ndingole mu e de nano nyinta ya murumuru fano kono ya alandi ku ko e ka de nano lu kenyami ka ku ka murumuru fano kono ko de nano be ka kenyami. Toute heureuse, elle fit porter la nouvelle à son mari qui manifeste un grand sentiment de fierté. Il arriva précipitamment auprès de la reine pour voir son enfant. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'elle s'aperçut que le bébé était en fait un garçon. Ce mystère créa une grande inquiétude au sein du couple qui décida de garder le secret de cette naissance surnaturelle. Yo kabrinde nano ni uluta awa jeju asewota bake olungola anata kilari aki ko yeta akema kiliaino ikafum ye ko apabaji kabri apabaji ya ye kibaro ni futandala tumo minna anin kontani badun tanan anin borba nata anata la muso jiwi ani de nano ni mi uluta baraka bra futata je nin keta fe jakhalu jakhalu ku bati aya korosi ko de nano ni de kewolem kambanding olem wo be inata itol mo fulol be jakal ba way mo dantan nel bije inata foko nyin kibaro e kanafo moy yo ya e dey afe kanafo tan disate molla katuko aketa kulete mi an kaw ku bale mi nyakoto. Appa Badji attribua ce miracle à la toute-puissance divine et en déduit que son fils aurait une destinée extraordinaire. Il lui donne. Wolungolo Appa Badji nata a djeko atefe ako ni munkulatu miyalon kon kawa kuolem andung wolungolo fana lata ko nyindin de nano nyinde a abekta abekela mobalti aya djeko ala le fanwe a mari masaba wole ñi de nano sika aya diatela ando a lata fana ko ñi de nano ñi be kala mobal di sama wolto na ta to la bakolom baji lo lungo le fan aya to la bakolom baji la o ko la nata finti kata sate mul kibari ko ala muso e dingo sotole. Ah, le nom de Bakolom Baji et sa naissance fut annoncée à tout le village qui se réjouit avec enthousiasme de voir enfin l'héritier du trône royal. Bakolom Baji eut une enfance heureuse grâce à l'affection que lui témoignèrent ses parents, le caractère mystérieux qui avait entouré son arrivée dans ce monde poussa sa mère à s'occuper de lui avec une grande tendresse. Bakolom Baji natake sanji jamal tambita Bakolom Baji natake dinano timi dinino timi yalon ko ala ululal yakanunum bak bawo atel muy dinkilimodi inata mara mara nya kendola ya kulu kano kono ani mbalfa kono wo sunta min la wolemu awluta alhalo min kono wala tinna ya amuta kendeke ya amuta bulfla la ndum fana e balo fata ya kanu fana kanu nya kendo fawola katuko ala wulu nya e to la jeroto ko ala la molem e la jeroto ala la sorolem. Et l'honneur que ressentait son père devant un tel miracle rejaillit sur l'enfant.
Cette grande considération et ce traitement de faveur furent aussi adoptés par les habitants de Nyanki à l'égard du prince Bakolom Badji. Dans la société Djola, un enfant ne prend jamais la place dans le cercle des anciens et des sages du village qui régissent toutes les cérémonies, les événements et les coutumes locales. Mais l'exception fut faite pour le jeune garçon et il lui fut permis d'assister aux réunions et aux grands événements. Andung Bakolom Badji de ala ululali buña minkala ni yekano minkala di hormoni sate banko mebe na taw hormo sifa kilin wala itandi den dina dinin fo wanjinda kabra dena adindin a niya korosi jolal kabilolto ila satelto jama jama dinningo nin kebal bukasi benoto bendulato dinin buka mabe kebal la bendulato bare ate Bakolom Badji kilin yate o buña di adamala e ka son kabula akanasi ke balkono ni bengo be kera daga tra o bengo nyin kono hanifo yaje afama ne abama ya buña nyam wala na sate mol be na da ifana son inata son ka buña o nyam que sont les cérémonies traditionnelles et autres rituels. Il était convié dans tous les cercles d'honneur et bénéficiait de haute considération pour son âge. Cette faveur lui fut accordée par respect dû à son rang social, mais surtout grâce à son statut d'enfance miraculeux, car la nouvelle de sa naissance dans des conditions aussi étranges s'était répandue et le... Hanifo a fama na bama la buña kam bare fanang sate mol nata la wulunya moy le fana awluta alhalo min kono anin ka ko mun ketala ala dena no wa dena ya watola wol fana kabriyo moy wana wana tin na fo ya buña kende ke fana peuple entier lui vouait un culte particulier. Il est évident que Bakolom Badji, favorisé par cette formation dispensée par les sages et les anciens, se forgea une personnalité hors du commun. Très tôt, il se distingua par un trait de caractère particulier et symbolique. Il ne pouvait admettre l'idée qu'on puisse ensevelir les morts sous terre. Wole atina juna ala balu ko no Bakolom Badji keta mutu mi yalon ko a farmansata hanabe dinningol kono a nyon dinningol kono e ka sutel ko nyinni nyindol man kelin wo fana na tatina ay a keta mutu mi yalon ko mo kumbambandi mbale mo kabra dinding andum fana aka fanyitandi aka to bondi abe koku kelato ka bo akono le. Il jugeait cet acte ignoble et inhumain. Il se moquait des défunts durant leur inhumation pour marquer son opposition à l'enterrement des morts. Pourtant, dans Otu molak a baladin yala wato minna nae sa mofata ila sate kono. O kake kulet mi yalon ka kate jakal num bakele. Andum fana nae moje kata mo muta mo mun fure muta koy kata sarele. Wo fana kate jakal le andum fana aka akuo ka jelendi la fon ka tu kate la jeroto hadama dingo manyanna sare la banko kono atela jeroto hadama dingo manyanna sonna kuma nyanna kela la foy kata muta ka sare ka fay ko nyamu andum juna halabalu kono juna abalanta wo kusi falale abalanta ko ko mo nyanta sare la te ko wo manyanna kela ala dunya balu kono. Dans le village, la conviction était unanime. La coutume semblait évidente, comment pourrait-il en être autrement? Bakolom Badji ne cessait de répéter cette phrase publiquement à qui voulait l'entendre. Moi, Bakolom Badji, personne ne m'enterrera sous sol. Et face à un mort, les railleries fusaient. Toi, tu acceptes qu'on t'enterre comme une graine d'arachide. Jusque-là, ces déclarations n'inquiétaient pas trop. Ala balawo hadama dingo furela sarela. Ala balawo wala wala atina juna a akalo bantabato kafo mobe tulo katala kafo e konte Bakolom Badji nte. Mone tente sarela banko kono mumeke. A konte mo tente hadama dinte keri min dunia kono min sente sare.
andu naye fureje wato wat la ni mo fata naya moy ko mo fata kata bade dorom e sa moy sango dula fanto akatar loj akaloje le kafo akadiamu fureñi e kafa ko ite etele be sonnay ke sare katé muta katé kadinko sinke bulaje ko kotia keso ndete sonna wala mumé ka kafo fu akadiamu fure ko kuma sifa faaye wala kuma sifa dum kabra dindi ya wato de molu abuka mol jakari kaaje ko nyum dindi ya ku mol di don dindi ngol ala tuje dindi ya ku molam don barna ke bayata be dunya fa hamla son peuple. Nombreux étaient ceux qui prenaient ses propos pour des blagues dues à son jeune âge. Dans le cercle restreint des sages, il en était autrement. Certains esprits commençaient à le prendre au sérieux sans le manifester publiquement. Ils avaient dans la discrétion l'habitude de commenter les propos du jeune garçon. Sate molu kal alou kuma sifal ka sate mol jele nyaaw nyaama bare. Sate lonnalu ani alfalu wolu kuma sita juna ka sobi ala kuola e kuma sita doman doman kala ala kum ala nyin kuma sifal la kaaji ko de nyin dindingol nyin ab asikeno abala sobe yalla e kaaji ko asikeno abala sobe yalla. Mais personne ne réussissait à découvrir ce qu'il mijotait. Bakolom Badji les défiait tous, leur donnait rendez-vous le jour de sa mort, affirmant à qui voulait l'entendre qu'il n'allait pas mourir comme le commun des mortels. Bakolom Badji nata lahido dila andum fana akoyoko nkakumo min fale tendinde nim fata lu minna albesina alieno alena alelo alia jibe fo mo sente sare no len na baluko nas nim banda nim sa mfata lu minna mbal bekilla kuman la alena lo banta bato aliya jibe fo mo bente sare la banko kono le ko tiya keso ay wallahi do di mo be la ka mo ala ako e bato lumina te sat fata lumina ko se mo be kiliena lo e nyase lo ate ala freka ya jibe fo mo sa te sare no le non lui Bakolom Badji repartirait d'où il était venu, il remonterait au ciel. Les habitants du village prenaient ay lahidi ñi ne la ko até Bakolom Badji dé até sare la banko kon ako abe murlal abota dami abe murla wolto andu mota té sare la ako e kon nata dunya ko no ñame mbé murla wala ñama andu moten té sare la mbota na ñim mbota na sango ko no santolé mbé murla sango ko no santo bare moten té sare la banko kon ay lahidi wala andu ako al ñabe ba al be ñabe lola kané lumi nambe fala. Ses discours pour des plaisanteries, connaissant sa réputation d'amuseur et son aptitude à toujours trouver les mots justes pour créer la surprise dans les moments forts. Bare eko jama bije milialon ko e kala ko mon mumuta mo jelendi kumolete ba wate keta moti milialon pana mo soniari ngolemu andu mo jelendo kadiya no kabra dinding ando fana ya jeko de asikeno abe wala abe mo jelendo kumol toron anda keta modi mi yalom fana e kuma kan so ne anew diata wole atina mo be ya jamal malo kumo muta kuma sobeti. Bakolom Badji se vantait à présent de pouvoir défier la mort en quittant ce bas monde à sa manière à lui, en s'élevant vers le ciel. Tumola Bakolom Badji sinalo akanganya kanganya ko atede atete ala saya te kala ko mobe la saya atela saya ateda ma kilinde be fala wo nyama ando ateda ma kilinde be bola dunya ko no nya o sifal. Et l'audace de sa part, sa qualité de futur roi lui faisait tourner la tête, c'était évident. Le temps passa au village Bakolom. Mo jamal kany ne foko de asikeno asikeno alaman saya komi nyim man saya siram mi yalon ko wole ba nyato abina wole ketal wole selta ko wala wole ka diam ndika nyin kuma kalanta won dunda ko kono ya je ko fana da ketam modi mi yalon ko a fama waro bala ko mo jamal fa dol ka wala fala ko to. Badji grandit et devint roi à son tour quand ses parents quittèrent ce monde pour rejoindre leurs vénérables ancêtres. Kabrin ala ululal banta tu minna
ibanda ibe fada bakolombaji atenata si ayla sirangang ayeketa bakolombaji ne prit jamais de femme et resta célibataire sa vie durant. Il n'eut pas d'enfant non plus. Il préparait lui-même ses repas et confectionnait ses instruments de cuisine dans le respect de la tradition. Des calebasses bien taillées lui servaient de récipients, des canaries comme réservoir d'eau, des marmites fabriquées à... Bare, yemin korosa la kuoto wole mbakolomba jide atema musuta. Ama musuta ala masa ya kono. A kunkilingo le mu, ala balu okono andumfana amani din soto. Tabiro dumfana ate fama leka tabiro ke afamwe. Atele kala tabir joran wolda da afamwe. Merang wol ning kalero ning olube atele da da afamwe. Atele fana ka tabiro ke afamwe. Doko sifa be atele musoka menke mwe atele ka ke afamwe. Base d'argile pour préparer les repas, des mortiers et tous les ustensiles en bois sculptés Bakolombaji étaient droits de ses mains. Il cultivait aussi la terre et produisait sa nourriture. Il conservait précieusement les objets de culte en fer, en aluminium et en bois que seuls les anciens pouvaient utiliser pour différentes activités et cérémonies bien précises. Bakolombaji dirigeait son peuple avec droiture, justice et sagesse. Mais il aketa modi mu yalon ko fana ay la ila ado ila jola ado lu be ay bele bunya ado li fe fe fo akabula osilo le nokan andum fana ila batol ila jalangol ni la baturam fe ol be akabula be nokane anim fana ay la banko ni mol ba tele mu la masakete ay imara maral nya kendo kono ay mara silola ani maral nya lankeno yari kono ne changea jamais d'idée concernant sa mort. Les années passèrent bare sai akeba ta nyaw nya nyama bare hani bi wokuma kilingol babulu ka foko atede na fata motate sare la banko kono ako atela fanya be kala fanya sifa kilinedi ando abolani dunia kono dun sifa la mi yalon ko monen mambo nyin dunia kono sifa la ando motate sare la banko kono hani bi wokuma kilim babul de kabra dinding ako kumol minfo kabra ta ta fakke ba ta sita masa sira on ka abo kuma kilim babul amma wala falin hani bi. Les saisons défilèrent, les anciens rejoignirent les ancêtres tandis que les nouvelles générations leur succédaient. En 1889 Bakolombaji atteignit l'âge de 97 ans. Sanji Jamal Tambita, Alpha Jamal Fata, mo kutol wuluta, dinin Jamal Kebayata. 1889 sangola Bakolombaji aye sanji tankonon toni woro wala soto sangola. Enata fokode saimbi. Lungo mutami ya lonko ikoy binala sanji tanko nonto ni woro ulo jura la ulungola sate banko mume benata ulungo mutabawa saya kebata sanji tanko nonto ni woro ula ikoy kanala sanji tanko nonto ni woro ulo le jura ka ala kuo kidimandi ka bunya ka horma inata fete ba muta ulungola. Une grande fête était prévue pour l'anniversaire du roi. Bakolombaji annonça aux sages qu'il repartirait ce même jour en pleine fête. Les rares hommes au courant de départ ne croyaient nullement à cette hypothèse. Tout avait été prévu pour donner à un événement aussi important un cachet bien particulier. Bare Bakolombaji nata foye kote wolungola. Ate wolungole mutako wolungolan atebe bola dunia kono. Anata sa banko mume bekili. Ako isina olungola ena mabe ninka ku wala mi alonko wala bekala olungola katuko ate ya muta ay olungole muta ko olungole ate be bola dunia kono andu mota ate sarela kaya fo e nyami mota ate bola la banko kono ko katio bola banko kono nyami. Les invités étaient venus de toute la région du Fonyi apportant des récipients remplis de vin de palme, des feuilles de tabac en quantité. Ce sont molu batana Fonyi du la belto e nei silafando sifa benata dolnin tabal nata dolnin tentulol nata dolnin domoro sifa benata na wolungola katuko wolungumu lumbalti e kana fetol
ont deux ingrédients majeurs qui sont toujours au centre des festivités en pays Djola, dans un siècle où la pénétration de l'islam n'avait pas encore atteint son paroxysme. Des bœufs. Et un tabac. Jamal n'est tabac nata, anin kuro. Un tabac n'est kuro fana walmon kuro. Joran fula le timini alonko, kumayata numbake le Djola la balu okono. Janin l'islam okana. Kasamas, l'islam oka janjan, Kasamas. Jamal fana ning tural nata, nisi tural. Jamal ni nisi tural nata, aning musolu fana nata, tabiro sifa jamake. Domorol data, domoro sifa B. Des taureaux futués. Les femmes préparèrent un repas copieux destiné à la population locale et aux étrangers. La fête démarra aux premières heures de la matinée, c'est aux environs de 14h30. Quand l'assistance eut fini de prendre le repas de midi, que le tam-tam commença à résonner dans un bruit assourdissant. Ce tambour est un instrument purement. Kabrin tilo boita lum wato tilo kando kandita wato minna. Musolu nata domoro fintindi ye konton di molla mobe domoro ke foy kono fata. Dorong kabrin molle domoro ke tilo lafta jila domanding. Tilo lafta sumi ala du monding tantan koso nata folo watola tantan jola tantan tabulo kumo folota banta banyinto pour ka mol kumandina yena fintina en traditionnel appelé bakanamam en langue jola. Il produit un son qui enivre le public. Une immense foule s'était réunie sous le fromager du quartier Bassen. O tantan nyin tantan banyinto mo bakanamam leti ate tantan nyin na kuma ta tumo minna hadama din o sifa be ka fintina aka mol sewo ke balo kandindi o tumo la esaje ko mo be se fintina ni la jorangol pour kana mabe nyin ko la nyin banta bato. Nombreux étaient ceux qui dansaient là agitant leur corps dans une transe communicative. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils avaient rendez-vous avec le divin pour célébrer la montée au ciel de Jamal fintita nan don sifa bebe kala molu balo kandita tumola sai dolu balo kandita bare e Jamal man sobi nyinala ko bi be kala lunnati mi ya lon ko kube kele nyala e nenete nyinala la ka ko bina kele nyala je e Jamal man sobi mo Jamal man sobi na e tol Jamal ya muta ko ina tan doron nako pour ka ila masake nyi nok lungo wululungo jura Jamal yole muta ande nata le doron pour ka feto ke niye bandi ese bare man sobi nyin nako ka ko bina kele nyala bakolom baji. Jusqu'ici, la nouvelle ne s'était pas encore propagée. Le secret avait été bien gardé. Bakolong ne l'avait partagé qu'avec un nombre très restreint de ses proches, dont ses oncles maternels de Suel, chef-lieu d'une communauté rurale, d'où était issue sa mère. Tandis que les griots battaient les tam-tam. Bare, a kuloni mumebe bakolong mafo ama afo mobeyede ay afo modantan nelia ko bilem lafta. Ka finte dunia kono aya koyndi wala andon akata wol sa fono wolle latala aya koyndi wala be kala alhalo min kono ani wati jumala ba kala otumo la tantan be kosila molbe dongola hanibi mais et que la foule s'agrandissait davantage en poussant des cris de joie sous les applaudissements. Bakolom Badji s'était isolé et s'entretenait avec quelques-uns de ses parents maternels. Ensuite, il sollicita les membres de sa famille afin qu'ils lui attachent des feuilles de rognier aux bras et aux. Bakolom Badji mol kono ayafo milier abama la molu mini alon kay bota sate to ka fo dami ko suel ayafo wol fanaliele bare molbe dongo la tumo minna a tebe sering a famfe anala badin dantangol e be pare kan anata fo ko ye ese tenkarangol sika tenkaran wol ya fara ya siti atewoto anate dani wala koy so kay folo jambe. Bakolom portait un accoutrement purement traditionnel utilisé lors des rituels en milieu djola. Il a fengol min dung wo fengol keta bayol keta kulete mi yalon ko djolal ka wolle dung ila lumbal ni kuyambo yole mo wala ni lumbal min ya lon ko lun kum malem ila mo fin dino nyin kono ay wo fengol le dungo lungola
l'arborait en premier pagne noire qui couvrait ses jambes, ajustait des reins à l'aide d'une corde. Aye, fano siti ateola kabo ateola kata katambe akumbalingola. Fano fingole mfana mwati omu fano kumaldi jolala adokono. Le deuxième pagne noir également couvrait son corps en laissant apparaître une bonne partie de la poitrine et l'épaule droite. Fano fulanja onying aimin siti ayo siti kabo e a akonola kata fo a kabakungunkan bare akabakungun bulba kabakungun wo fano nying yewole bula ikawole je wole be fin wole fin tabantala bare kabakungun do fana fano nyi yo murale kana fo ateodo. C'est vêtu ainsi que Bakolombadji se présenta publiquement et officiellement à l'assistance qui l'attendait sous les fromagers. A kabra e pare o nyamale a findita na molkan atata bantabanyinto pour kana a la moliaje. Il était 17h. Les détonations des coups de fusil artisanaux tirés par des personnes choisies pour la circonstance. O wado ni nata tembe alansaro le fe kabra findita na dorong e nyin kidol folo ya e kidol kumandi kidol jolala nyin kidol ye kumandi kido kumata ma fam mu me bella ton kon nanol kido be kumala dula beto mol wuro be kumala mol be blo sikan la dol ba konton résonnèrent dans tout le village et ses alentours. C'était le moment annonçant l'entrée de Bakolombadji parmi la foule, esquissant ses premiers pas de danse. Les danseurs étaient ivres de joie à cet instant précis des festivités grâce à une composition musicale constituée de chants et d'applaudissements mêlés aux sons. Otumola ate Bakolombadji fawanata ay nganya folo ay dongo kumase abe nganyala molbe bulala nokan dongo sifa bebe keri ala banko mol fana be donnay balo kandita kende ke faw e balo musafono wurobe kumala bulukosobe kela dongo sifa bebe keri son de la flûte et de la corne. Le tam-tam rendait un son mystérieux dont seuls les esprits avertis et initiés. Tanta onata kosiro kumase kosirnya mi ya lonko mol mintata kuyambato dama wolle ko kosirnya nyim fahamno abe kumasi famim foka. Percer le secret. Bakolombadji dansait à présent, il sautillait avant en arrière et tout à coup il s'éleva vers le ciel et se positionna au-dessus de la foule. Bakolombadji nata dongo sifa do fana folo abe sauna akata nyato abe murla nan koma abe sauna kata nyato abe murla nan koma fo wadi sotto doroy nata ja saunta a saunta akamunta ko momum betika a lota mol kunto tendi e nyabala wuro sifa bebe kumala. Il continua à danser dans les airs devant les yeux ébahis de la foule puis redescendit sur terre. Hanibi ayo sawo munke abe lorin santo fonyo kono abe dongo kanje fonyo kono anata jina koteke ay jitanam banko kan ay dongo nyin tentendi molbe wurla wuro sifa bebe kumala bulobe kosila molbe wurla. Toujours en dansant, c'est à cet instant précis que la foule rassemblée se rappela des discours concernant sa mort et commençant à croire aux paroles de Bakolombadji. Celui-ci kabra nyin sawun folo ka nata jinan tumo minna drong wolto sate mo be na hakilo nata ta ala kuma kawal ka meta min fule a mete kibar la muna wato la mi be hakilo nata ta ko mo nyin ka. Toujours dansant, sauta et s'éleva au-dessus des toits des maisons situées près du cercle de danse. Tous les invités avaient tourné leur regard vers lui qui continuait à danser au-dessus du vide. Il ne anata dongo tentendi a saunta koteke a saunta atata lo abe fonyo kono abe dongo kanje fonyo kono amanji non amantra duma amamfuta sango santo abe fonyo kan bareni silo la ata a saunta a tita le fo labon la tambita cordal la kankaran wala tambita a seleta wali santo bara fonyo kono je mobe ba jibe ka molni wuro wuro be kumala bulo be kosila do tantangol be kumala. Comprenez pas ce phénomène d'autant plus étrange qu'il n'y avait absolument rien là-haut à quoi aurait pu s'accrocher le vieil homme.
Celui-ci continua à s'élever dans les airs jusqu'au sommet du fromager où il continua à danser sans que ses pieds touchent l'arbre. Puis il redescendit. Anada hanibi abe fonyo kono hanibi bariaje aka sele sele la la kata santo aka sele sele la la abe donka abe sele sele la kan kata santo obita abe sele la kata santo atata fo e ni sita juo mbe lorinje atata fa selta sito santo braman lo sito kanda abe sito e santo la abe donko tentendi kan tantan olbe kumala molbe wurla hanibi à terre au milieu de la foule comme en dernier tour pour faire ses adieux à son public. De bare anata murnan kota ka jinan banko kan ajita na bornan fonyo sando ajita na duma kota ke ay dongo tentendi bare akamunta ko ala nyin jiyode anata le doron pour ka kibari mole ka fay ko nyin silo nin tata doron abantale sa yaje ape mol konton kan kamta ko momi yalon ko talalem say ni mobi taka ka mol konto nyami ka foy ko a am felen katale de say o kay ente no je la kote ko abe o konton di sifa la ni silola. Vifs applaudissements accompagnaient ces multiples pas de danse dans une ambiance purement traditionnelle grâce aux instruments de musique, aux chants et aux claquements des mains, aux cris et aux hurlements de la foule en plein délire mystique. Comme pour la dernière étape de son ascension, Bakolom Badji s'éleva doucement, tel un oiseau, et monte. Quand on fait jamais, aïe, dans une tentendi, quand on dira be kering, ouro be kumala, abe nganyala, abe donna, molbe bulo kosilae. Barasa e nyinsilo la aïe bulo sikandi e bulo sikando mi alonko, ko bulo sikando mi alonko, kaitandi la kosa mfele mbita akande. Nimbota jansa en nalte ñu jël ko tek ay aussi falé ko ko la doro ya jabe donc signa kilin doro nata wuli a wulta santo ko tek kata atata lo abe fagno ko na be don na beta abe sele kan ka sele sele la la beta ta directement vers le ciel à la tristesse générale. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du sol, son image rapetissait toujours plus. Un éclair vibrant et fulgurant traversa le ciel. Bakolom. Nyensilo la kabara selta santo anin dongo abe selta santo adunta fonyo kono. Aka sele sele la la ta wole nyama fo labango la. Akamuta ko kuno na abe santo kuno mbe sango santo. Abe doya ta wole nyama moli nyakoto. Abe donna bita tanton be kuma la fata ta fa yemanta moman na je koteke. Wati dorong wati kirin dorong mol nata je ko sa akamta ko sang ngala so le keta santo anin wonata la yemo benda aketa kilin e man na je koteke mol sumiata ni akamta ko ni e jisumale bom mol kan ni ko ya dunta mobe sondo moko no ambaji dispari aux yeux de tous entre 17h30 et 18h, sous les cris de désolation et de tristesse de la foule rassemblée. Bakolom Badji yemanta wole nyama sango kono mobe ni okuyata molbe nata sumiyawo nyamole andung wotata tembe tal ala saroni montro talan worole kono alo be keto wotembole kono. La clameur se tue. Bakolom Badji s'en était allé, laissant la population meurtrie. Sa naissance mystérieuse de par son changement de sexe avait été un premier miracle. Il venait d'assister à un second miracle, son ascension vers le ciel. Bakolom Badji fait la tata. Ay mo betu ni ku yakono. Donnal be fanyo dongala mo be sumiata e kamera ko e jisumale bomb e kan. Ibe nata hakilo bulata nyinata ko Bakolom Badji de aketa motumi yalon ko ala wulu nyaketa kakuwati bawo ate de nanuma nyin a musolem a sungutindi ngole a sungutindi male wuluta barek kabring anata ke kambandi ngoti o kola ala saya fana fela aketa saya timi yalon ko ka saya kakulem. Y en aurait-il un troisième? C'est la question que tous se posèrent durant les deux années qui suivirent jusqu'à ce jour en pleine saison 16 août. Kabra bota olungolade
molu nata ñina mi raw yam ray tol bi na ñi mo si fa sur lay la banco kamba ñim ba kolombaaji ñom mo si fa est ce que tol bi na sur lay la banco kan foy ba fula ñaw sur la fa sa ba ñaw foy bi na sur lay la banco kan bawo atema din soto ama motu koma. Quelqu'un découvrit une tortue sur le chemin qui traversait le village. Ce fut un grand sujet d'inquiétude pour la population de Nyankit car fo lunkilin nata soto e alfa donim couteau anin couteau benta siloka tilikandola andung ni couteau ni jamaa ka ke sama ko no couteau leti couteau ni jamaa ikeje sama le kono bare couteau ni itol nata je tilikandola woketa sate molie jaakal ku ba katamati bawo morphine londo kono wo misal wolti mi yalon ko a manke misal kendode. Cet animal n'apparaît généralement qu'en saison hivernale quand l'humidité du sol est au plus haut. Deux anciens parmi les sages, Fode Akurul Badji et Yusufa Badji, ayant constaté avec beaucoup d'angoisse la présence de cette tortue sur le chemin à l'intérieur du village, était là en grande conversation sur la conduite à tenir devant un tel présage. Kabri yo dafa woni njettu momin na ata kuto nyin ina ta futandi alfa la alfa fula bije min ya lonko fode akurul ani Yusufa Badji a ina ta si ka ko nyin kacha e nyanta mun ku sifale kala anu e be nyin kuto nyin iba kala nyadele bawo ate ku aketa kule tum ya lonko kuto le mi ya lonko amanya na fintilana e tilikando kono akuto le mi ya lonko ni sama aketa banko be sumiyari banko be sinanding nyamol findita wo jam wo jamano le nyin kuto nyin jamaka findina fode akurul pris de panique tomba en transe et poussa de grands cris avant de s'évanouir alertant la population e boka cha kono tumo minna dorong fode akurul nata aketuta bare janda be ketul ani ay wuro le ka misata wuro mi yalon ko hanibe min tole isa moy ay kuma kawol fana fo janda be ketula fana ay kuma kawol fo min yalon ka efu ay wuril ay fo sembola mo betulo ka moy o ko la nata boy a ketuta. Les villageois accourus sur les lieux pour s'enquérir de la raison des cris stridents constatèrent avec une grande surprise la présence de cette tortue sur le chemin du village. C'est la première fois qu'il voyait un tel animal en saison chasse. Saté mol ni mborba na tay jamal findita nan kana jibe mum mosi jumale be wuro la ani mune ketala. Bare kabri fudata nan ñen dula ñen do ye fode akirul tara laring. Bare abala fana ye kuto ñen tara laring kuto la tara lori ngabala. Ate kuto ñi mi yalonko itol be yalonko e am buka findina tilkando kono. O fana kete tol fana bulu. Tous pensèrent à un nouveau miracle car il n'y avait pas d'autres explications. Et tout le jamais n'a pas voulu. Ah, ainsi que nous, car cou, alors le car cou doit le canard finir négant. Bah, on y monte le temps long quoi. Ah, ben il peut pas dire longo bella. Autant y quitter tout le boulot car cou elle. Il n'a pas voulu. Ah, ainsi que nous, qui barre si far doit le canard finir na voilà cou le canard qui est dans une banque au camé à long quoi. Minning bakolom baji la wulwo sifa c'est keno kilimote. Le lendemain, la tortue était toujours là sans que personne n'ait trouvé le courage de la toucher et durant tout ce temps Fode Akurul était tombé en syncope de nombreuses fois. Au matin suivant, ate kuto nyin atatalo ne wolodula wodula kilimoto de moma hanyika ma atartal afana mambo anoto bare o tumo bela fode akarul aka kuninne ala keto kono ay na mur ko te kay keto sinya jama be kuninna aka na mur ko te ka ka keto. Il se réveilla et s'adressa à ses parents en ces mots. Cette tortue wati na do soto fode akarul akuninta bota keto kono tumo minna a diamuta ay nyen kumol le fala molie. C'est Bakolom Badji qui est revenu et il demande de faire des sacrifices. Ako ko nyin kuto la nyaabe minna de nyin kuto nyin
Bakolom Badji le Murtanan. Ate le Murtanan kon jang annung alaftanga sadale bundaye. Il affirma avoir entendu une voix mystérieuse qui lui avait demandé à ce qu'un piquet soit planté à un endroit précis du village. Il devait être taillé dans un arbre singulier appelé Bousseseng en langue Djola. Anata fode akarul nata foye kode ay kibaro le fana soto miya longo kabra ketuta ay kumale moy kanne moy je miye o kumo kibaro nyi diala ata kibaro nyi wolemu bakolom baji alaftale ye doko sifa dole bije ka famiye ko Bousseseng Djola kanwala ate doko nyi ni ya yiro nyi kuntu yir kunto nyi ta ye ta londe dulato miya longa ay damim foye inyanta lola wolto. L'implantation de ce piquet nécessitait une cérémonie traditionnelle, un événement pendant lequel un coq devait être immolé sur le lieu qui deviendrait alors une place sacrée. Ah, anata fo ko de ñi yirkunto ñi ibalon di la damindu. Añanta kela dulalte mi yalon ko. Jebe kela la jalangoldi. Anda be kela la batu dulalte. Andu wodu lañi jandi be yirkunto lon laje nyanta ye sise kanate wolodu lañi to o kola ena yirkunto ñi loje o yirkunto e ka fumu ye ko Bousseseng. Les préparatifs furent rapides, l'urgence de la situation l'exigeait. Mais voilà au moment crucial où le coq allait être immolé. Amanias Badji se saisit de l'offrande en déclarant qu'il remettait totalement en cause les révélations de son frère Fode Akerul. Ibe nata hauja ibe mobe finta tata sisewol ni nan etata o yirkunto fana ni wulo kono kabri ya besoto tumomin na e koybina sada ni bondila ko Akerul Badji atemin ketota ni ay ni min foy ki baro min foy e koybina o sada kela bare a mobije mi yalonko atelmu Akerul Badji ni adomati kabri ko be sise nyin kanatel dorong ani borba nata sise chafati bulokon ako atemal la hukumo la mi yalonko ate Akerul Badji wolof akate mal la hukumo nyinna mote sise kanatel o sate nyin. À l'instant où il quitta la place pour rejoindre sa demeure, une étoile lumineuse vint se poser sur sa joue. Pris de panique, il courut vers sa femme, tenant toujours le coq. Celle-ci le somma de rendre immédiatement l'offrande, ce qu'il fit promptement. Bare kabra e sise ñum busi tumo min na doron. Ay sise busi o dula do ña kaabe sela amurta la sokono janda bi futala la sokono. Ay aje lolo mi yalon ko lolo malmal lim bafa mo de wole be loring atamadala nata ta dulat la lolo nyimbe lora atamadala buka bonoje buka bonnoje aya bulota frisa nyaw nya lolo nyimbuka bono atamadala anim borota ta la sokono alam aya fala musoe wato sise ba buloko na sise mum busa ba buloko alam so kay ko nyin sise o sendi ya bonde dama manke la sise te andung sadalem ya bonde dama sendi je ye ñun na ñi lolo la woldo otumola na tam son ka sise ñi sendi amurta ay sise murunda no ñi to ñi mol bulu et l'étoile disparut aussitôt de son visage kabra sise sendi doron lolo ñi mbota ñada to wato la. Pour demander pardon de son geste, Amanias offrit personnellement un second coq à sacrifice. Amanias ñi nata son ko de amakeku ako san alafta mol sa ko bendaye alo ko la minke anata sise do fanata aya la nyin sada nyin kam ako pour mol sa ko bendaye. Puis les habitants du quartier Bassène apportèrent sur le lieu un taureau appelé Makulo. Pour y être sacrifié, quelques personnes étaient chargées de le porter sur les épaules. Kabilo fana bi demi yalon ke ka fodami ko basen wol fanal nata ñi nek ko e koy tol fanal be sada ñi ko no be min ka fundan na je wolé mu ni situra e to lewle sambana e koy fanal bo le sambala na yi de adablan ñi sada ñi to
andung yasika monan lela ya di monan lela wolle yasika na ya sambana enyanta kana tela dami. Elles firent le tour de la place et le déposèrent au centre. Les animaux furent aussitôt égorgés et le sang coula à flot. Immédiatement. Kabring yeni nisoni sika ye lulani murumuru anyanta kana la dami ya murumuru sinya jamala ukola na tala ndi temo. Kabring ala ndi temo to ye sise ni nyintu tura ni muta ya kana te otumola. La pluie se mit à tomber avec force, bien qu'on soit toujours en plein saison sèche. Et au lieu de ça, quand tu m'as mis dans drong, il n'a pas de quoi sama dieu bon follow. Quand il est tiré quand on le connaît, bah il n'a pas de sama dieu n'a pas sama n'a pas bon follow, car bon lala sama kita. Au tiré quand on le connaît, bah quand au tiré quand il bah connaît sama follow ta kake lala olungola. Le piquet sacré fut planté à l'endroit même indiqué par Bakolombadi. Cette cérémonie mémorable donna son caractère sacré à cette place. Il n'a ni yiri kunto busese ka fami ko busese njola kan. Il n'a yiri kunto lo ndula to mi alon ko ni se kanat ye ni so kanate woldo anin si se onyen. And wodula nyata ke la dula to mi alon ko la batu dula le mi la ya ke jalawonti. Ila jalawonti kana batu keje. C'est donc en ce lieu au cœur du quartier de Bassen, face à la route municipale, parmi les membres de sa famille, là où le roi avait vécu toute sa vie, que la population érigea la case sacrée qui contiendrait tous les biens de Bakolombadi. Nyado, ala dimbayani inata odula irkunto lota dami ani nisol nying kanatira dami inata bungo lojele nyantam bungo nying aketa ye jeke la batudulati anum fana Bakolombadi la joran ol fen fen a min be na bulu a balorin tumo menna ye bedundi bo joran o bonole kono nyi jeto. Faite de piquets plantés tout autour en laissant une porte d'entrée étroite, la case sacrée abrite en son centre, outre le piquet sacré, quelques instruments d'usage à l'occasion des cérémonies de recueillement et de prière. Odula nying nyantao nying ya sansang dokol lela dokol aning yiri kuntol okola inata bunda kilinka la mi yalonko molka dungani wola. Si le centre est réservé aux sages et aux proches de la famille Badji, le pourtour est dédié à l'assistance. La case est toujours recouverte de paille ou de feuilles de rognier. Ate nyantamu nyinde, ate moto, nyantambu nyintema, abungu kono nyintema, baji kundankulu, bakolom baji la dimbaya damale kasino odula nyundu. Bare, akartanta wala, mwon mini alonko wole nata kumpa borola, ani mwokote wole walkasi odula le nyundu. Andungu inyante la sadal minkila ni mkusipa itulkoke wole. Bare, mwobu kasino tema namanke bakolom baji la dimbaya ati baji kundankulu. Elle est constamment gardée et protégée afin de préserver son entière sacralité. Ainsi, toute chose impure qui pourrait souiller ce lieu est interdite. À l'occasion de ce... En tant que nous, nous avons dit que 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 nous kosobu kadunje. Cérémonie de prière ou de recueillement, les sages officient à l'intérieur de la case dans la pratique des différents rituels habituels, tandis que l'assistance gravite autour de sous forme de cercle ouvert. Ni la lumbal sitafana et la alfal ning wolle kata du ñum ñantam bu ñing kono andung yela ada kuol keje. Tumola ni mol fana ni mol mil nata je fana wol buka dung bunga nying kono bare katara kartan tango lela ni nyanta sadal min di la ya di alfan nyina wole ka adun di bunga kono je. Les paroles sacrées sont prononcées dans des prières qui implorent le tout puissant autour du piquet béni et sacré.
o irikunto be lorem bu won nyantaw nyin tema ando ni sa dal fanal dita nyin alfal nyin wolle ka kuma kan wol fo min ya lon koy tol damal ya faham ya kotolon andun e o kola yena daniroke yela sulol fo yela hajol foje ka masaba dani face yela hajol jarano nyamin. Nombreux sont les membres de la communauté, mais aussi les étrangers, à venir consulter les sages et recevoir une bénédiction. Sate mol kanale dimba ni bakolomba ya dimba al katajele sara duala bare mo kote ol fana kanajele duala kana haji jabi dua ni je haji jara dua ni ni wo ma. Il est demandé aux visiteurs d'apporter du vin de palme, un peu de riz, quelques feuilles de tabac. Ni bin momo binaje jama iga foele ko yedolo damandin sambana anin taba jambo anin mano anin fana sibikankaran doloni e kay ka foye ni binani isni wo fana sinano ni be sada bon lay ka boni wala je ainsi qu'un coq pour les hommes et une poule pour les femmes ni kewmu e ka foye ni ini si se dundon sinana ni muso mu fana ka foye ko enin si se yere sinana. En ces occasions, ce sont les membres de la famille Badi qui sont chargés de prononcer les paroles sacrées dont eux seuls ont le secret. Ni sarabe kela je fana Badi kundan kol mini alon ko e be bakolom Badi la dimbayal wolle ka sada nyim bondi je e tolle ka kuma kanol fana fana mi alon ko e damale a kotolon e tolle fana al ka dung e nyantaw nyin kono. Les sages du village s'y retrouvent périodiquement pour des sacrifices afin de conjurer le mauvais sort et d'apporter le bonheur. Ning alfalu itol jama jama watni wadi sekal bennole fo ka sada bondi mi alonko e se sate molbe tankano nyami ani fana se haj harjel se firino nyami fana. Une autre particularité tout aussi étonnante doit être révélée. Les feuilles de rognier qui étaient attachées au corps de Bakolombadi lors de son ascension sont retombées sur terre lorsqu'il eut disparu dans les cieux. En s'éparpillant, les feuilles se sont dispersées loin de leur point de départ pour se répandre dans plusieurs villages environnants. Kubije mi alonka keta mo wole munyindi kabrin Bakolombadi abe seleka nyami santo kabrin abe dongo la fonyo kono nyamin tumo minna ala sitife on mi ya lonko yole sita teoto wole mu sibi kankara on jing e jamal nata jolon nan ka boy nan kabra tita tata fa ye manta san kono e tol dol nata janjang dol boyta e bare boy dula manki kilinti. Et partout où ces feuilles sont tombées, elles ont constitué des bosquets et des forêts de rognier qui s'étendent à perte de vue. Soit dans le. Oh, si bien qu'en carant on y nata, il boit à douleur là. Ça te au mafan mafan na. Ni tata jebi, ika jeko. Oh, douleur beni. Si bien jour le mou, si bien qu'en carant on. Si bien jour si ata au mafan là. Dol a wula bakata on le mini alonko si bien jour damale boto. Andu imanna boy dula kilinna bare boyta dula dula to doron a o dula keta wula bakata wala timi alonko sibi juol be lori siata je les champs ou aux abords des rizières. C'est le cas de Katinon, un village situé à quelques kilomètres de Nyankit. Sate kafo mi ko Katinor e ko atada be du sate le to mini alonko sibi kankara on ying ba kolomba jla sibi kankara on do jolonta wolto wolati na o sate ni a sibi karan o siata je sibo a juo ni siata je ba ke fon fon o sate ni to. Dans cette région constituée en particulier de vallées qu'on dit mortes car la sécheresse du sol empêche toute culture, la densité des rogniers est la plus forte dans le périmètre du quartier de Bassen. Les rogniers sont ainsi présents dans les 16 villages que compte la communauté rurale de Suel, qui polarise le village de Nyankit.
wo sibikara woning londe tiol nata foko wole atina bakolombaji lo sibikara won wole atina e sibijo siata ni sate tanni worol do min ya lon ko wolle be nyankit kadu ko bakolombaji kabrabe sella santo o sibikara won fonyo ye fe jamal nata jolo ni sate tanni worol kon wala do sate tanni worol sibijuol siata je. La légende dit que la présence massive de cette espèce arboricole est l'œuvre de Bakolombaji qui a envoyé ses feuilles de renier en guise de cadeau au peuple de ses contrées. Le renier est un arbre qui tient une place importante dans la communauté Djola. Les tiges des feuilles sont utilisées pour clôturer les terrains des habitations et la confection des paniers et autres. Lonnal nata foko de o bakolombaji atele ni sibikaran woni aye ni sate mol swala a kamunta kala sila fande mol holem andung mobe along sibikaran wala kuma ya jola la e balu ko no o jamano la janning bayol kasoto jama jama ikawle tanu e jama dol bi ka e ka debe ka ke city fewanti e ka 500 ke wala cordal 500 atella andum fana e ka bungol fana nyantam bungol fana e ka bungol nyantam wala ate sibikaran autre récipient à usage domestique. Quant aux feuilles, elles sont toujours employées de nos jours pour réaliser l'accoutrement du kumpo, un être mystique qui est habillé et présenté au public par des hommes initiés. Pendant ate sibikaran kilingo nyin jamal ko e ko leta e ka kumpo nyin da wala andon kumpo ke tammi ya lon ko ni ko mo mofin londo la karola a mon ku ku malti je woto andon fana e ka sinsingol da dal ate sibikaran kilingo lela ani joran jamal min ya lon ko mol ka sula no ala woto mola jamano ni fole siol man soto no mansoto no ani ne joran wol ma jamal mansoto joran jamal ka dada no sibikaran wol o jamano. La saison sèche après les grands travaux champêtres. Il s'agit là d'un événement culturel largement répandu dans la communauté Djola. Dans les danses des masques, le kumpo occupe une place active et participe pleinement aux différents événements historiques et culturels qui ont lieu dans les royaumes Djola. Par voilà tinna inata djeko ate bakolombaji la ñing kaaku keta silafando da atelia e swala ko silafando bawo ay sibikaran wala kumallo jolal la banko kon kat ni kumpo jibe ate keta ko lati mi yalon ko kumata jolal la balu kono bawo ni hewo hew sotota memu kulioti bo futu sito mo fo kuyan sa ko kuyan boyo na sita ate kumpo ñing jama jama tele kay ka tele fintendi aka mol tanka e ñu suuta molla ak mol tanka ñi dafion wala min ya lon ko mo bu ke jeno e ñala ani jinol ni ku côté won compte. Il n'est pas présent lors de l'initiation communément appelée bukut ou futam. L'autre vertu du rognier est culinaire. L'arbre de Bakolombaji, comme l'appellent certains habitants du Fony, produit des fruits appelés kone ou sikompas en langue djola. Hanibi domoro la karola ni sibikaran wode ate juo ya je ko fana domoro sifa do ka bona balay ka fo muye ko kon jola ka wala to musi compass la di mane ka wala wala mu jalon wode andung ate keta ko timi yalon ko jola aka domo bakele o ma fa wala woto ninku mu wala atina itoli aje ko nyimum bakolombaji la silafando wolti walatna ay swala ya siandi la mafola. Ces fruits qui mûrissent généralement en début de saison sèche font partie intégrante de l'alimentation de toute la région naturelle de la Casamance. De plus, les cônes qui ne sont pas cueillis et consommés tombent de l'arbre et se transforment en tubercules, autre forme de consommable. Le rognier est un andun jama jama nyin jalon ni na jolonta anu moman na kati moman na domo inatu tabankoto akana yele malaka ke domo ro sifa doti mi ya lonko
mol kana domo jolal kafo wo domoro ni si kobot gage de rentabilité d'une importance capitale dans toutes les contrées de cette partie du pays et même au-delà. Actuellement, le commerce du rognier est très lucratif, permettant à de nombreuses familles de vivre décemment. Les troncs. Wato ninkumu sibikaraonde ate mola balu fenjamala ka anafa warta ninkumu ala jambonyin ni akati ka ku jama kenwala ni santo sate lo ni tata bungo jama a santo bungo jama ila kankara ka ke waldi ila bungo kordal ka sansa atella animfana ala yiro fana asungo ni a kuntu jamal ka teleke e ka kankara wal dara atella jama jama ninkum les feuilles les tiges et les fruits sont va woto ninkum ate balo bere nafa warta kabo asungo kan kata a yirkunto min ka babala kata ala jamboto kata ala domoro fana min babala be a bele nafa warta ninkum andi a des commerçants venant d'horizons divers et lointains. Les fonds tirés de la vente du rognier financent l'éducation scolaire des enfants en priorité. Oto ni fiol mini alon ko wolle kabo ni sibikaran on bala e ko wolle ta ka wafi ke la dimbal balo ni wolla e ke dingol karandi wolla hani biti lola fana woto wayi tandi ninkumu bakolom baji ay la sama mirale ninkumu. L'héritage de Bakolombadji apporte satisfaction à toute la communauté de son fogni natal. Oto nyimbe atina ateketa kutmi ala Bakolombadji hani bi mol manni nanwala. Oto nying ka ko le bemu be ketami yati yan wolle fana yatina mol manni nanwala ka bring 1792 kana ho bi ti lola mol manni nanwala. Katuko ay kulel ke ala kaw kuwolu anin fana ay nafa mi yalon ko wolle uluta atela bo duniya kono kana bitema. Désirant conserver ce patrimoine culturel qui est l'histoire commune, la population de Nyankit organise périodiquement des journées de manifestation au rythme des sonorités locales, exhibant les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du village, attirant de nombreux visiteurs locaux. Kunjini atina nyanki sate molu wato wati watni wati eka lumuta mi alonko ka bakolom baji jura wulungola ani eka mol fanal jura mil ya alonko e fanal dabula ta tariko konole andung ate lungonin aka ke lumba ka tan walati mol ila sate mol ka bonandula belto bare molun tan wal fana sifa ka bonandula beto kana mabe go lungonin et étrangers en quête de spiritualité et de bénédiction, ou tout simplement par curiosité, car il faut avouer que l'histoire extraordinaire de l'homme que fit Bakolombadji méritait bien d'être reconnue sur le plan culturel et de figurer dans les manuels scolaires des enfants du Sénégal. Et tout le final, il y a des gens qui parlent de Bakolombadji, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, et ka dinngol karandala karambungol to. Aujourd'hui, l'héritage de Bakolombadji est toujours préservé sous forme de musée en face de la case sacrée dans la bourgade de Nyankit située dans l'arrondissement de Sinjan. Il s'agit bi Bakolombadji ala jorangolo anala baluo fion fe yalon ko aden abe dending ala baluo la ipe maboring ni ndulaldo mi yalon ko nyantaw ni yemin londi Nyankit mafanola andu momo nata kumpa boro lay ke samba woldo ate buntu mulungola mi yalon ko safono at ila tariko buntu ngolam jamal kata woldo bi kumpa boro la d'un véritable patrimoine qui nécessiterait une conservation sous l'angle de la modernité. Il est l'une des richesses aux multiples facettes de la culture Djola. Lorsqu'on compare l'histoire des Djola en Casamance, en Gambie et en Guinée-Bissau, on remarque des différences de comportement significatives. Oto ñi munkulati mi alon ko sa fono ko jola la kaniola jola la kaniokono
ni muila na fulo dolti hanatra ka manke kodoti bare na fulo fana sifa dolem mi yalon ko mobe nyanta mutala bulufla la ni jolal la balunya korosi jolal min be gambi ani min be casamance ani min be guiné ila balunya lafta fatala do mandin en gambi l'angleterre a pu éviter les conflits grâce au respect des traditions et des coutumes locales gambi ma fa wala anglais le ñine ke ya katafo fitino dango doyata je bawo itol mang wili ka fo ka jolal forcer pour ici la balunya bulaje kana bulay to la anglais ila balunya noka wala tinna fitino man sembo ma wara anglais ni jolal te ma gambi kono bawo me forcer to bondi la silo kan ben min kono les portugais en Guinée-Bissau et les français en Casamance n'ont pas su instaurer ce climat de respect mutuel Baranita da Guinée-Bissau ni Casamance français ni portugais itol mawo horomoni soto e mawo bunyani soto jolal ni nak jolal la kaniola bawo itol ke jamal forceto bondi la dino kanne anila silol anila adolto ke forceto ikoy be forceto bon la je pour kate e isamba tubab silo nyinka De nombreux combats ont éclaté jusqu'à l'indépendance de la Guinée-Bissau. Wole atina fitino jama wultaje kelo jama keta jolal ye kelo jama leke enin francel enin francel nin portugal tema andun kelo nyim tententa la continue tele fo jo Guinée-Bissau la indépendance wato mina kabri be fansoto nyin waka wato mina a kelo nyin tententa le fo wo jama no fonola hanifo portugal la bunya balia e manson ka jolal bunya nyame ila adol bunya nyame walatina ini tuta fitino la fo janin Guinée-Bissau ba la independance sur la ni senegal chaque conflit a provoqué de mouvements de réfugiés au-delà des frontières politiques aujourd'hui les tensions se sont apaisées en Casamance les seuls combats sont ceux de la lutte traditionnelle jola c'est une lutte sans frappe pratiquée entre bare bi nga korosiko fitino ni dango adoyata le bi kelo sifa min ka ke wolle mu nyobori ngoti mi yalon ko jam watni wad la ka ke anda manke fitino ta ka ke bala bo nyoto kelo leti anin hadma ya ni bunya ni sinyo ya kendo e ka wuli wol kam les jeunes des villages à l'occasion d'événements culturels les actuels désaccords entre les jola et les pouvoirs administratifs du Sénégal sont l'expression d'une volonté farouche de conserver leurs traditions, leur liberté culturelle, leur identité et leur développement économique et social. Bi Moussa Fonoko fitino mumbe wala kanna waliyo mumbe jolal ning masakunda tema wala munindi ilafta yetarai fambuli ye fansoto andung mo kana ne force ke bondi la adol ni la chosano kono anum fana ese ila banko ila banko fana e kana a busibulu sembola anin kata dunde kuto mi yalon koy manyana ke wala ke kerindi kulay man la fi min ye ke la banko ka wo kana wali wala be jola jamal tema ini man sakundal min e be banko min ka l'autosuffisance alimentaire est un aspect très important dans la communauté jola fansoto domor domoro la karola balu la karola fana mu kulet mi an ka kumayata bake jolal nyakoto composé principalement de cultivateurs de riz il jola jama mu senelal let andung jamal ka manu sene manu seno kumayata la balu ko récolte également du manioc de l'arachide du vin de palme des haricots les barhani bi e ka nyambo senele e ka tio fana sene anin domoro sifal jamal anin fana e ka sibikaron dolo bondi sibikaron balale anin fana e ka tentulo fana e ko fana kati tenkulo e ko fana kati le e ka fana wafi andu e ka domo fruit et du miel e ka lio fana domo ñinile wulo kono ils vivent aussi de l'élevage de la chasse et de la pêche jola keta moti mi yalon ko ika bademo kele ika beyam male ando kele anin fana
e ka demo fanake wulo kono o bemu kulati mi yalon ko adabe la balo kono. Ils pratiquent l'épargne qui leur permet de financer les besoins familiaux et communautaires, les cérémonies religieuses et les événements culturels. La scolarisation occupe une place importante dans la communauté. Bi jolal ka kodima bo kele ka tego fana sifa beke andum fana karao abiti lola kumata bake la balu konale din ngol la karao anila londe nyino o fana mu kulati mi yalon ko ya bunya bake le biti lola. Si de nombreux jola se sont convertis au christianisme et à l'islam, il en existe encore qui pratique uniquement la religion traditionnelle Adjamat. Tonyalem bi jola jamal bi je min yalon ko e be muslimolemu dolmu chrétien woldi bare a jamal fana bi je min yalon ko e be mamagnol la dinole no makam hani bi andung wo din mo fe dino ni ka fa itol ka fa ko Adjamat silo e qui lutte pour préserver leur religion monothéiste. Andung itol jamal bi jemi yalon ko e ba katakanne ka kele poruka e kana fo e la ni mama nyol la ni silo e be min noka. Andung ate dino ni a manke ko e ka e fennel badu wala ka ala jamal le badu. E to ate dino ni ala kilene bi jani bi ala kilimba kilen e ko le badu. Je rends ici hommage à leur intégrité. Fin de l'histoire de Bakolom Badji. Le... Yo, auto, nina kata Bakolom Badji la tarikoti anala baluo. Mba, dana jane bi. L'œuvre a été écrite par Moïse Culture. Comme... Nyin kitabo nyin Moïse Culture atelier Safé. Moïse Culture là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un entier qui a vécu au Sénégal pendant des années, plus particulièrement en Casamance. Et Ate Moïse Culture a botté dans le Caribbean, American continent. Ate botté dans Walto et Kafa Dami Anti. Ate la Natalo Mouninti, Ate Moïse Culture là. A tarta Casamance le ay sanji jamal kije kabara nyin ki baro nyin tariko nyin moy anata foko aba safe la ka kitaboti qui a comme tout le monde entendu parler de cette légende, cette figure emblématique que pratiquement toute la Casamance connaît très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette histoire que moi personnellement je trouve intéressante. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle histoire du Sénégal, de l'Afrique ou du monde. Njigita ko nyin kibaro nyin aliala moy hakilo lale andum fana nin londe bije ale londo do mandin sota ko nole andum akko nyin diata le fana ala baraka baake ala la moy rola ala nga fo nga nyobula bi fo lun koten kana murna Senegal la tariko sifa do fo wala Casamance la tariko wala Afrique mume be la tariko. Inch'Allah, mina mour la nasi la koten. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc avant de vous laisser, je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo et d'aimer. Merci encore. Jandim bita, mbal be dan la alkana nina ka abonner, nyin seno to al subscribe, alie a partager, anufana, alie seno, alie video nyin eme. Al video like, alie a share, ala bading wole, ani momo ya alie a mirako nyin tariko nyin bedi ala ya. Por ciao, big up. Yeah.